YouTube, Scootraiser pour un autre épisode d'Ascade. Un mélange d'hasard et d'arcade. Oui. Drop the base. Aujourd'hui, on va explorer le reste de la base dans cet épisode tant attendu de tous. De tous ceux qui voulaient l'attendre, en tout cas. Et de tous ceux qui ne l'attendaient pas non plus. Non, 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 non. Jimmy, montre-nous la foi. Montre-nous la sortie, Jimmy. On est avec toi. Teleportation field activated. You have teleported to Sector 1. Sector 1. Mon chat m'a fait peur, il a sauté. Il a sauté sur le rebord de ma fenêtre. Oh le talent. Oh. Hop là. Pipipipidi. Pididou. It's them! Blast them! Mais ils savaient qu'on était là, puis on restait là, rien faire. Ils ont targeté le plus faible de la gang. J'espère l'avoir bientôt fini parce que j'étais prêt à perdre. J'étais prêt à perdre un peu. Oh! 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 Qu'est-ce que c'est ça? C'est ici qu'ils font les plaques molles! C'est ici! Wow. C'est ici la fabrication de plaques molles. Oh yeah. Wouh! Je pense que ça sent la fin. Ça sent la fin bientôt. Tu ne pourras pas m'échapper. Tu dois prendre là qui fait le niaiser avec moi là. Toi, t'es mort. On laisse pas d'individus. Les ordinateurs, hein? Full futuriste. Accepting Confederate Network. Downloading file. Congratulations, you are victorious. Victorious. Gracias. In the wake of the chaos resulting from the Zerg invasion, the sons of Korral escape with the stolen data disk, fleeing to the border colony to Enigma Prime, a Artarius group. Now plans its next crucial move against the Confederacy. 13 hours after the evacuation. Blah 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 blah. Revolution! It's a revolution! Et analyse le disque. Ils vont le décoder bientôt. Merci. Merci, on a fait de notre mieux. On le fait toujours de notre mieux. Defend the Atlantean Rebels. Attingen, Raynor and Kerrigan must survive. Bring Kerrigan to Antigen Command Center. Non, mais sans plus attendre, fonçons la tête baissée. Bon, il se passe rien en haut. Drop the base.
You pig! Oh. Oh, c'est une télépathe. Petite coquine. Bon, qu'est-ce qui se passe? On va l'analyser. Oh, il se passe bien les affaires. On va aller là tranquillement. Tranquillement. Elle peut se mettre en mode cloak puis en mode lockdown. Il y a 3000. Je sais pas combien de temps ça dure. C'est un mode cloak là. Petite coquine. Ouais. Gotcha. It will be a pleasure. Ooh, I see sexy, sexy, sexy lady, sexy lady. Ooh, she's a lady. Kerrigan can use her cloaking ability to sneak the most enemy force. Only detector as such. Missile turrets can be used, but cloaked units. D'accord. Donc, mode cloak activated. C'est tant aussi longtemps qu'elle a de l'énergie. Est-ce qu'elle regagne son énergie? De toute façon, il y a une turret là. Ça va être ben drôle là. Qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en là-bas, toi, espèce de malade. C'est normalement difficile comme mission, ça. C'est quoi là-dedans? Encore à péter. Oh my god. Okay, on va se planter des mines ici. Sarah Kerrigan, reporting. Faut pareil celle-là, tabarouette, je me souviens plus d'avoir des unités aussi puissantes que ça. Donc, on va voir si je vais réussir cette mission-là dans le prochain épisode de Scooter Gaming. Du moins, si son cloak va durer assez longtemps pour pouvoir faire le tour. Donc, c'était Scooter Raza qui vous remercie du fond du cœur.
d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous souscrire, de vous abonner. C'est la même chose. Je sais pas pourquoi je dis tout le temps souscrire, abonner, c'est la même affaire. Laissez des commentaires, des petits likes. Et partagez surtout. Je vous dis, salut là.